Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Le Monde à nous. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons jeudi à 18h pour une nouvelle séance. Si cela vous plaît, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Cela nous encourage et nous aidera à nous faire connaître. Donnez-vous la permission de vous détendre et de respirer. Cela focalise votre énergie et votre concentration. Laissez votre corps se vider des soucis de la journée. Alors, comment allez-vous ce soir? Eh bien, ce soir, nous allons travailler à la guérison du corps émotionnel en faisant descendre sur vous un peu d'énergie apaisante. L'amour est ce qui vous guérira. Ce sera votre billet d'entrée pour la prochaine phase. Ce soir, nous allons ouvrir votre centre du cœur afin de parvenir à un certain équilibre et amplifier pour vous l'expérience de l'amour. J'espère que vous prendrez du plaisir. Vous avez recherché l'amour durant toute votre vie. Eh bien, vous êtes sur le point de le trouver. Vous trouverez une version amplifiée de ce que vous avez déjà vécu. L'amour a été rare ici. Il sera plus abondant dans le futur, beaucoup plus abondant. En réalité, l'amour est l'ingrédient essentiel, la brique essentielle de tous les univers. Alors, vous, volontaire, vous êtes venu ici pour apporter un peu plus d'amour dans une atmosphère qui en a été singulièrement dépourvue. Il est temps que vous reveniez à votre état véritable et que vous récupériez votre véritable part de ce précieux élixir.
amplifions votre amour et aussi la grâce qui vous entoure, en évacuant toute l'obscurité qui reste accrochée à votre corps émotionnel. Quel est le moyen de vous guérir qui vous sera le plus bénéfique? Je dirais que ce serait de prendre un long bain dans une piscine d'amour. L'amour pénétrera votre espace et pénétrera votre corps émotionnel blessé et vous guérira. Il y a tant d'amour qui attend de vous entourer. Il y en a tant que vous vivrez dans la béatitude. Commencez par vous aimer vous-même. La quantité d'amour que vous partagez avec et pour vous-même y fait beaucoup. Pour déterminer la quantité d'amour que vous pouvez connaître d'une autre façon. Tous les concepts liés au mérite doivent être, si possible, écartés immédiatement. Arrêtez de rationaliser et si vous ressentez le besoin de plus d'amour, demandez-en. Si vous éprouvez un désir d'amour inconditionnel, demandez-le. Il est à votre disposition. Gâtez-vous pour vous retrouver dans l'abondance, et vous pouvez gâter ce que vous aimez. Beaucoup de guérisons et de rééquilibrages sont en cours, et des émotions sont libérées. Vous devez vous y abandonner sans réserve. Aimez-vous et faites du mieux que vous pouvez. Oubliez tout ce que vous avez fait dans le passé. Vous êtes pardonné de vos horribles faits. Tout ce que vous avez fait dans le passé
Vous l'avez fait en ayant le sentiment que c'était la chose à faire. Vous êtes un être honorable.